Exclu, Candice, Colanta, pourquoi elle n'a pas sorti le collier de Jérémy Après avoir gagné l'épreuve d'immunité la semaine dernière, Candice a finalement été éliminée de Colanta, le combat des héros, TF1, lors du conseil pendant le dernier épisode diffusé vendredi 27 avril 2018. Pour la jeune sportive revient sur son aventure et raconte notamment pourquoi elle n'a pas sorti le collier d'immunité que lui avait proposé Jérémy. À lire aussi. Exclus, Maria Carré, Cribronne. Pourquoi ils ne sont pas venus dans les anges? Exclus, Aurélie Vandaleine en larmes, pourquoi elle pense ne pas se marier? Exclus, Aurélie burn Burnout, Menace. Pourquoi elle a quitté le Mad Mag? Que se passe-t-il dans votre tête lorsque vous réalisez que vous êtes éliminé Forcément j'avais une petite crainte de partir. C'est vrai que quand j'ai vu le dernier vote et que je me suis dit mince, je pars, il y a eu quelques secondes où je n'ai pas vraiment réalisé. Mais bien sûr j'étais très déçu de partir. J'étais frustré de ne pas avoir pu faire plus d'épreuves individuelles car c'est ce que j'aime le plus. Pourquoi ne pas avoir sorti le collier d'immunité de Jérémy en fait, je savais que ça allait se jouer entre Nathalie et moi et que le vote qui allait être décisif serait celui de Clémence. J'ai beaucoup parlé avec elle dans la journée, elle disait vouloir m'affronter. Je l'admirais, mais elle m'a confié qu'elle aussi m'admirait. J'ai été prise par l'affect et je me suis dit que c'était impossible qu'elle vote contre moi. Jérémy m'avait proposé son collier, mais je préférais qu'il le garde pour plus tard. Au final, j'aurais peut-être dû l'utiliser. Avez-vous des regrets non, je n'ai pas de regret parce que je me dis que si j'avais utilisé le collier d'immunité de Jérémy, peut-être que j'aurais été éliminé trois jours plus tard. Donc je ne peux pas dire que je regrette car j'aurais bousillé une chance que Jérémy aille plus loin et ce n'est pas le but. En voulez-vous à vos camarades d'avoir voté contre vous Non parce que je savais qu'ils avaient l'intention de m'éliminer. Après, c'est vrai que je suis déçu de clémence car c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup. Mais c'est le jeu. Elle a préféré avancer et suivre le vote de l'équipe et je comprends tout à fait. Par contre c'est vrai que sur le coup, j'ai été très très déçu. Comprenez-vous leur stratégie de vous éliminer pour casser le duo que vous formez avec Jérémy? Non je ne comprends pas parce qu'on n'était pas le seul binôme dans le jeu. Il y avait Dylan et Yassin qui formaient un duo et personne n'en entendait parler. Il y avait Pascal qui s'isolait souvent et ça n'a pas fait de bruit non plus. Je pense qu'ils ont voulu m'éliminer car j'étais une ex jaune et qu'ils ont utilisé cet argument comme un prétexte. Que je leur ai fait peur car j'ai gagné l'immunité je veux bien mais qu'ils me disent que c'est à cause de mon binôme, je ne comprends pas. On n'était que deux, on n'aurait pas pu faire grand-chose. Lorsque vous comprenez que Jérémy ou Clémentine revient, à quoi pensez-vous Je suis hyper contente car je sais que, peu importe celui qui revient, ça me fera du bien. Vu l'ambiance pesante qu'il y avait sur le camp, j'étais heureuse de retrouver Jérémy ou Clémentine. Je pensais aussi à l'avenir et je me disais que ça me permettrait éventuellement d'aller plus loin dans l'aventure avec Nathalie. Pensez-vous que votre franchise a joué en votre défaveur? De toute façon, même aux ambassadeurs, Pascal voulait que Dylan mette mon nom. Ils avaient l'intention de me faire partir donc à quoi bon? Je n'ai pas un tempérament à m'écraser, je préfère dire ce que je pense. L'élimination de Ludovic ne m'a pas plu, je l'ai fait savoir à Yassin. Je me devais de le dire. Qu'avez-vous à répondre aux critiques des internautes